C'est donc vrai? C'est vraiment vous? Vous êtes le diable? Tu m'as l'air tout chamboulé. Viens, mon lapin. Viens t'asseoir. On va parler. Je peux vous poser une question? Bien sûr, Elliot. Pose-moi toutes les questions que tu veux. Sauf pour savoir si Dieu existe. Celle-là, on me la pose tout le temps, elle me rend complètement marteau. Oui, Dieu existe. Dieu existe? Et comment il est? C'est marrant, hein? On pourrait penser que le diable en personne, ça intéresse les gens. Mais non. Tous complètement obsédés par Dieu le Père. Le Père? C'est un homme? Oui, c'est un homme. Ils se prennent tous pour lui. Il se trouve que lui, pas complètement. Bon, mon lapin, je voudrais pas te presser, mais si on jetait un œil au contrat. Ah ouais, le contrat. Alors, le contrat... Alors, donc, je suis signé. Et l'autre Richard, c'est moi. Si après le damné accepte... Le damné? Je suis le damné? Disons... maudit, si tu préfères. Écoute, faut pas te formaliser sur les mots, darling. Regarde, c'est un contrat standard. Il stipule, paragraphe 1, que moi, le diable, association à but non lucratif, je vais t'accorder 7 vœux, selon tes volontés. Le paragraphe 2 explique les modalités de paiement des vœux susmentionnés. Merchandising, produits dérivés, donner son âme, donner son âme. Je dois vous donner mon âme. Quand une fois que tu auras eu tes vœux, bien sûr. Non, j'ai qu'une âme. Je vais quand même pas vous la donner. Quelle importance. Tu l'as déjà vue, ton âme? Est-ce que tu sais ce que c'est? Bah oui, c'est mon âme. Bah, mon âme, c'est le... C'est le truc, là, le... Le truc qui flotte. Écoute, je vais t'expliquer. Les âmes, elles ne sont rien, on les surestime. Tiens, la tienne. Elle t'a déjà rendu service récemment? C'est comme ton appendice. Tu sauras même pas qu'elle est partie. Hein? Elle est partie? Ouais, Si elle sert à rien, mon âme, comment ça se fait que vous la voulez tellement? C'est qu'il est intelligent, celui-là. Écoute, Elliot, au fond, à qui elle profite, cette affaire? Imagine-toi, 7 vœux, tous fabuleux. Et tout ça pour une si petite âme que t'as jamais vue. Je sais pas... Bon, écoute, Elliot. Moi, ce que je veux, c'est ton bonheur. T'as un potentiel énorme. Il te manque juste un petit coup de pouce dans la bonne direction. Non, merci. Je vais très bien. Pas besoin de me mentir, Elliot. Je connais les recoins les plus sombres de ta toute petite tête. Je sais que tous les soirs, tu rentres dans ta studette minable pour aller manger tes plats surgelés, avant de te traîner au lit en te demandant pourquoi tu es seule. Pas tous les soirs. Si. Même que parfois, tu pleures. C'est ça, ouais. C'est ça. Je sais. Même que là, tu pourrais presque te mettre à chialer. Bon, ok, Elliot, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on t'aime? Qu'on te respecte, peut-être?
tu veux qu'on te craigne? De quoi est-ce qu'on parle exactement ?